Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today et c'est votre émission très très spéciale de fin d'année. Alors aujourd'hui Afrique Today fait cette émission spéciale pour comprendre comment les bananes des États-Unis fêtent les fêtes de fin d'année. Alors pour nous répondre à cette question, nous aurons ici plusieurs invités et mon premier invité ici c'est le secrétaire général de l'association Nicole qui est actuellement ici avec moi. Salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Bonjour le Valon. Alors, présentez-vous à tous ceux qui vous regardent actuellement. Ah oui, bon, moi c'est monsieur Charles Ndjambe, secrétaire général de l'association Nicole USA. Alors, monsieur Charlie, vous êtes secrétaire de l'association Nicole ici aux États-Unis. C'est quoi Nicole? Nicole, c'est une association qui réunit à son sein, n'est-ce pas, tous les bananes qui vivent aux États-Unis. Les bananes qui vivent dans tous les États. Des États-Unis ici, et particulièrement ceux qui se réunissent sont ceux-là qui sont dans la zone DMV. Alors, ça fait déjà combien d'années que l'association Nicole existe? Nous existons depuis 4 ans. Nous continuons aujourd'hui, je crois que c'est... nous continuons aujourd'hui, non pas 4 ans, mais 5 ans. Nous continuons notre 5e année aujourd'hui. Ok. Alors, je sais que l'association Nicole, ça a réuni tous les bananes de tous les États-Unis. Ah, mais déjà, je sais que vous pouvez me répondre à cette question. En tant que secrétaire général, qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre de cette association? Je crois qu'on ne passe pas un concours pour devenir membre d'une association. Le seul critère, c'est être banane. Et banane. Nous avons même, il faut être, suite d'être banane pour être membre de l'association. Et nous avons même élargi, c'est-à-dire que nous prenons à notre sein aussi nos beaux frères, les Camerounais qui ont épousé les filles bananes, sont aussi acceptés à notre sein. Et les femmes qui ne sont pas bananes, mais qui ont épousé des bananes, sont aussi acceptées au sein de notre association. Essayons d'entrer un peu dans les détails. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est un banane? C'est quoi les bananes? Alors, les bananes, c'est un peuple qui vit dans la forêt. Et dans quelle forêt? Dans la forêt au Cameroun, en Afrique centrale, n'est-ce pas? Dans deux régions au Cameroun, principalement. Dans la région du centre et dans la région du littoral. Disons aussi que dans la région du centre, on les retrouve dans le département du Mbam, dans deux arrondissements, l'arrondissement de Ndikinimeki, l'arrondissement de Nituku. Et dans le littoral, on les retrouve dans le département du Kam, dans l'arrondissement de Yingi. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes ici parce que nous allons parler. Pourquoi, comment les bananes fêtent leur fête? Et je sais que vous êtes le secrétaire général depuis 4 ans, depuis 5 ans, je crois, yes, si je ne me trompe pas, de cette association. Nicole, oui? Non, je viens d'être réélu pour la deuxième fois. Ok, vous venez d'être réélu. Alors, l'association Nicole aujourd'hui a combien de membres? Aujourd'hui, l'association Nicole a exactement 35 membres régulièrement inscrits. Régulièrement inscrits, 35 membres régulièrement inscrits et plein de sympathisants. Plein de sympathisants, c'est-à-dire ceux-là qui aspirent à adhérer à l'association Nicole. Plein. Alors, et ma dernière question, qu'est-ce que vous, en tant que secrétaire général, vous faites pour attirer des sympathisants qui souhaitent participer, qui souhaitent devenir membres? Là, nous faisons, n'est-ce pas, des communications à travers, n'est-ce pas, beaucoup de fora au niveau des réseaux sociaux. Nous faisons beaucoup de communications. Et il y a aussi la communication la plus probable, la plus plausible, c'est celle de bouche à bouche. Et aussi, nous profitons des médias comme le vôtre, n'est-ce pas, pour lancer un appel à tous ceux qui vont nous écouter, à tous ceux qui auront la nouvelle, n'est-ce pas, de rejoindre le groupe Nicole USA. Ouais, merci monsieur le secrétaire général pour votre temps et restez connectés sur Afrique Today parce que tout à l'heure nous aurons l'opportunité de parler avec le président sortant de cette association et toujours dans le cadre de cette émission vous aurez l'occasion de voir plusieurs interviews et des membres sympathisants de cette association pour nous dire comment tous ces membres de cette association ont pu se réunir et former cette
cette grande famille, Nicole. Restez connectés. Je vous rappelle que c'est toujours Afrique Today. Téléchargez nos applications. On revient tout de suite jusqu'après une pause publicitaire. Afrique Today, our objective is to help you access trending information that is fresh and relevant in the promotion of African culture and values, as well as information that enhances economic, political, and social welfare in the continent. We provide a platform to share news, ideas, and useful information from different perspectives that reflect our African traditions, such as music, art, and fashion, among others. With the dawn of the new year, Afrique Today is here to deliver this information and more for you, our valued audience and stakeholders. We have spared no resources in refining our platform to make it better and look forward to serving your needs and your being part of a rejuvenated Africa that has so much to offer the world. Thank you for stopping by and Happy New Year, everyone. Ici sur Afrique Today, c'est toujours Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et vous regardez donc cette édition spéciale d'Afrique Today. J'ai l'honneur ici de recevoir l'association donc Nicole. Nicole donc qui pour savoir comment cette association prépare les fêtes de nouvelle année. Alors pour cela, j'ai déjà reçu ici sur le plateau d'Afrique Today le secrétaire général qui nous a expliqué qu'est-ce que c'est la culture banane. Alors aussi, j'ai souvent beaucoup de personnes me posent la question comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très très simple, vous pouvez nous regarder sur quatre plateformes, sur Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Téléchargez toutes nos applications et vous allez voir l'association Nicole directement sur votre smartphone. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ici le président sortant de cette association. Salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Merci monsieur Alain. Alors c'est un plaisir de m'avoir ici sur Afrique Today. Alors présentez-vous à tout ce grand public banane qui vous regarde non seulement ici aux États-Unis et partout dans le monde. Ouais, alors à mon long terme, hein. Alors moi je suis le président sortant, mon nom c'est Didier Gifford. Je suis président depuis la création de Nicole il y a cela 5 ans. Donc, je suis vraiment ravi, je suis content de passer sur Afrique Today aujourd'hui. C'est une longue attente. Alors, monsieur Didier, on essaye de savoir, on a eu quelques interviews des gens, des attentes ici, on aura aussi, on va voir ici après votre passage comment certaines personnes dansent, il y aura des danses banane ici aujourd'hui. Et donc, on essaie de voir comment les bananes fêtent les fêtes de fin d'année loin de leur village. Ouais. Alors, vous étiez président durant combien d'années ? 5 ans, dont votre mandat est fini là cette année. Ouais. Alors, quel est le bilan que vous pouvez nous dire aujourd'hui durant votre mandat présidentiel ? Alors, le bilan, il est assez long et puis je crois pas qu'on a assez de temps pour pouvoir énumérer. Non, mais en bref, oui. Oui, en bref, je peux déjà, il y a déjà cette création. Mmh. Bon, le secrétaire, il a parlé de 65 membres, c'est pas facile de joindre les bananes et puis essayer de rassembler tous les bananes non seulement dans le DMV qui est DC, Maryland et puis Virginie, et puis c'est partout aux États-Unis, dans d'autres villes des États-Unis, il fallait rassembler les bananes, ce qui n'est pas toujours évident, rassembler les bananes aux États-Unis. Ouais. Donc, alors il fallait les rassembler. Quelqu'un m'a dit que les bananes c'est un peu plus très compliqué, je ne sais pas si c'était vrai. Oh, compliqué, pas tellement, ils ne sont pas compliqués. Bon, attends, le banane c'est quoi? C'est quelqu'un de noble, c'est quelqu'un qui est digne. Alors, pour aborder quelqu'un de digne, attention, bon, il faut quand même, on ne l'aborde pas n'importe comment. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine dignité, le banane.
Il, y a aussi, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de dignitaires bananes, selon ce que j'ai lu sur Internet. Bien sûr, le banane, par définition, c'est un dignitaire. Donc, alors, ils ne sont pas aussi compliqués que ça. Bon, enfin, on se comprend de toutes les façons. Ok. Bon, en tant que bilan, il fallait d'abord retrouver l'association, les frères. Et Nicole, c'est quoi? C'est la famille. Bon, les ramener et puis essayer de rappeler que, bon, écoutez, nous sommes loin, mais seulement, nous sommes éparpillés, mais seulement on forme une famille. Et dans ce cadre-là, il fallait qu'on ait un noyau. Et bon, enfin, comme j'ai dit, le bilan, bon, je ne peux pas le détailler, là, on a fait plein de choses. Beaucoup a été fait, bon, et comme toujours, et comme dans toute association, beaucoup reste à faire. Donc, je crois que et puis, le nouveau président, il va prendre, et puis il va peut-être énumérer les projets qui viendront plus tard. Oui, on aura le plaisir d'avoir le nouveau président ici sur Afrique Today. Alors, je sais que le bilan, il est tellement long, on ne va pas revenir sur ça. Mais en général, je sais que ça n'a pas été facile de travailler pendant toutes ces 5 années. Enfin, c'est comme toute chose, le travail. Bon, quand on s'y met, quand on devient un travail d'ensemble, bon, ça devient un peu plus facile. Bon. Et c'est un travail. Bon, on s'y met et puis bon, les résultats, on les voit. Il y a toujours des améliorations. Ouais, ben, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'on retrouve quand même dans l'association Nicole des bananes des autres régions. Et je crois quand même que l'un de votre but était aussi de rassembler tous les bananes des États-Unis. Ouais. Et vous avez quand même déjà réussi à avoir les bananes des différentes régions aujourd'hui. Ouais. Je sais quand même qu'il y a des bananes aujourd'hui dans cette association qui sont représentées dans d'autres villes. Alors, comment vous avez réussi à entrer en contact avec tous ces bananes-là? Oui, mais on a les médias. Le monde est tellement... Il est loin, mais il est rapproché à travers les médias. Donc, on a des membres à Houston, au Texas. On a des membres à Ohio. On a des membres à Atlanta. Et plus à côté à Delaware, bon, c'est la magie des médias, si tu veux. Bon, on peut connecter avec eux facilement. Et bon, à chaque réunion, on a des rapports. On envoie des rapports à ces membres-là. Et bon, parfois, ils appellent directement. Donc, on a toujours cette opportunité de communiquer avec eux, tout le temps, chaque fois qu'on peut. Alors, vous avez l'opportunité de communiquer avec eux. Alors, pour ceux qui... J'ai posé la question là au secrétaire général et je vais aussi vous poser cette question là. Alors, pour ceux qui réfléchissent encore aujourd'hui, qui disent encore que peut-être ils sont vraiment bananes, mais ils existent et peut-être ils connaissent que l'association Nicole existe. Alors, ceux qui ont encore des hésitations de devenir membres, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Oui, ben, il n'y a pas d'hésitation dans ça. C'est la famille, de toutes les façons. On n'hésite pas de venir dans la famille. Ils sont tous invités. Bon, le secrétaire, il parlait tantôt d'un concours. On n'a pas besoin de passer par un concours pour entrer. Il faut juste se présenter. Et puis, bon, et voilà, on est la bienvenue. Et tout le monde est invité, tous les bananes. Alors, je profite de l'occasion, par ailleurs, pour inviter tous les bananes. Pour les bananes aux États-Unis, dans le DMV et partout aux États-Unis, de nous joindre. C'est la famille. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est la famille qui vient. On les attend, c'est tout. Alors, vous êtes de la famille, vous êtes banane, vous avez compris le message du président sortant. Venez, connectez-vous. Alors, comment faire pour contacter l'association Nicole? Oui, ben alors, on a un site web. Déjà, à travers Afrique Today, on ne profite pas le média Afrique Today pour y passer. Et bon, et le secrétaire général, et je crois qu'à travers vous, déjà, on peut se servir de votre truc pour pouvoir faire passer ça. Et puis bon, on a un website que le président va énumérer, le nouveau président, le président entrant, et le secrétaire général pourra aussi le mettre sur sur vos ondes. Quand ça va être émis, donc il pourra mettre ça, que ce soit le numéro, que ce soit dans Twitter, que ce soit dans WhatsApp, que ce soit dans notre website que le président entrant pourra vous donner
Alors, merci, restez connectés sur Afrique Today. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été de notre merci. Aujourd'hui. Merci à ceux qui sont connectés sur Afrique Today. Vous pouvez regarder donc Afrique Today sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Téléchargez déjà nos applications et vous pouvez nous voir sur votre smartphone. Alors, restez connectés parce que tout à l'heure, nous allons recevoir le président donc, de cette association, Nikul. Il nous parlera donc, il nous dira vraiment en détail comment les bananes préparent, fait dans les fêtes de fin d'année. Vous allez aussi le voir ici sur Afrique Today en images pour savoir comment les bananes font les fêtes de fin d'année aux États-Unis. Cela juste après une pause publicitaire. À bientôt. Break Today, our objective is to help you access trending information that is fresh and relevant in the promotion of African culture and values, as well as information that enhances economic, political, and social welfare in the continent. We provide a platform to share news, ideas, and useful information from different perspectives that reflect our African traditions, such as music, art, and fashion, among others. With the dawn of the new year, Afrique Today is here to deliver this information and more for you, our valued audience and stakeholders. We have spared no resources in refining our platform to make it better and look forward to serving your needs and your being part of a rejuvenated Africa that has so much to offer the world. Thank you for stopping by and Happy New Year, everyone. Merci d'être connecté sur Afrique Today, c'est donc toujours Afrique Today, c'est donc cette édition très spéciale de Afrique Today et on se pose la question comment les bananes des États-Unis fêtent les fins de fin d'année. Alors pour nous répondre à cette question, nous avons ici sur Afrique Today l'association Nikul USC. Alors j'ai eu tour à tour le secrétaire général de cette association, j'ai eu le président sortant et là j'ai le président entrant, il est ici avec moi. Salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir Alain. Alors monsieur, présentez-vous, je pose cette question à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent actuellement. En fait, je ne vais pas aller jusqu'à vous paraphraser, hein. Comme vous l'avez dit, nous sommes toute une association, Nikul en lui-même c'est un projet. Alors je m'inscris dans la continuité de ce projet. Vous avez tout à l'heure interviewé... S'il vous plaît, présentez-vous. Oh, je suis Cyril Essomon. Ok. Sur les saumons, je suis banen, comme cela l'indique. Et je vais présider les rênes de Nikul pour ces prochaines années à venir. Oui, le secrétaire général nous a déjà parlé de cette association. Alors, vous êtes le nouveau président et vous venez de le dire. Votre rôle est de faire la continuité de ce que vous a laissé le président sortant, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Nikul, c'est un projet. Nikul en lui-même, c'est un projet. Donc, pourquoi vous dites que c'est un projet? Est-ce que vous pouvez aller plus en détail? Bien sûr, parce que nous sommes tous unis autour d'une certaine vision, d'une certaine... si vous voulez, hein. Nous sommes tous réunis autour d'une certaine idée. Alors, ce projet-là, c'est quoi en fait? C'est reconquérir toute la communauté banane de l'étranger. C'est revivre tous ces moments que nous avons toujours vécu au pays. Si vous voulez, c'est transporter nos traditions, c'est transporter notre vie de la communauté banane ici aux États-Unis. Et c'est tout ce projet-là. Et dans ce cadre de projet, nous avons beaucoup de choses. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler.
Alors, dans le cadre de la continuité, là, nous parlons, et c'est notre rôle ici, dans le cadre de cette émission, c'est un peu de parler comment les bananes fêtent les fins d'année, étant donné que c'est un projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au niveau des bananes ici aux États-Unis, comment les bananes fêtent les fins d'année ici aux États-Unis? Oui, bien sûr. Nous sommes d'abord un peuple fier. Je pense que ça a été dit un peu plus tôt par le président sortant. Et nous nous réunissons de temps en temps pour nous souvenir de notre vie, si vous voulez, communautaire, traditionnelle. Nous fêtons notre fin d'année, nous venons fin d'année pour nous réjouir de nos activités qui se sont écoulées durant l'année, beaucoup plus quand elles ont été positives. Et cette année, si nous avons fait beaucoup, nous avons fait de très grands pas. Nous avons pu finaliser un très très grand statut. Nous avons encore amélioré, si vous voulez, le règlement intérieur. Alors pour jubiler tout ça là, pour nous féliciter, si vous voulez, nous gratifier de tout ça, nous nous réunissons. Alors c'est aussi un moment de lancer un appel à d'autres frères qui sont avec nous et qui ne sont pas dans l'association, de venir et de profiter de voir ce que nous faisons ensemble. Oui, ma question était de savoir, est-ce que lors de cette fête de fin d'année, vous avez des danses traditionnelles? Comment ça se Bien passe? Bien sûr, le picousse, l'ingane, tout ça. Nous avons aussi des, si vous voulez, des chantres. Nous avons tout ce qui est traditionnel. Nous allons les exécuter. Nous allons les pratiquer. Nous avons aussi, entre-temps, pendant ces périodes, des petites questions pour que toutes nos familles d'ici, vous savez, nous avons des générations ici. Il y a des gens qui n'ont jamais mis pied dans le pays banane, des enfants qui sont nés ici. Il y a des frères que nous avons trouvés ici. Tout ça, c'est aussi pour leur apporter une connaissance culturelle de ce que c'est que le peuple banane. Donc, entre-temps, dans cette organisation, nous avons des questions que nous posons dans le genre tombola, simplement pour davantage inciter le peuple ou bien nos frères qui sont ici à mieux connaître le pays banane. Alors, je sais que vous venez d'être élu dans votre poste de président entrant. Alors, quels sont les projets? Nicole, c'est, je vous ai dit déjà tantôt que c'est d'abord un projet. Alors, tout ce que nous avons fait dans cette vision-là, c'est, puisque nous opérons dans la continuité, nous avons une vision. Ces projets, c'est quoi? C'est la croissance de Nicoul, c'est la sensibilisation de Nicoul, c'est la promotion, il faut promouvoir Nicoul. Et ces projets-là s'inscrivent dans trois ou quatre grands axes. Le premier axe, c'est comment faire nous-mêmes pour créer de la valeur intérieur à Nicoul, de telle sorte que en aidant les autres, que nous puissions nous-mêmes nous entraider. Donc, un des grands projets que nous avons en vue, c'est travailler sur ce qu'on appelle un peu le rapatriement des corps. Ça, c'est entre autres. Un deuxième projet, c'est créer des ressources, créer des richesses qui vont continuer à nous faire vivre ici localement. Un troisième projet, c'est d'entretenir ceux qui sont restés de l'autre côté du pays, c'est-à-dire nos frères dans le pays banane. Quand j'entendais par pays banane, ces trois grandes zones, nous sommes beaucoup plus situés. Yingi, Dikinimeki, Nituku, dans ce sens-là. Entraider comment? On continue à penser comment primer les meilleurs. Nous avons déjà fait par le passé certaines œuvres. Nous avons tué des projets dans cette continuité-là. Et aussi continuer à travailler sur les subventions, faire des demandes au niveau des subventions du gouvernement américain pour continuer à aider notre pays. Nous avons des zones en souffrance, nous avons des industries en souffrance. Donc nous essayons de travailler dans ce sens-là pour améliorer la vie au quotidien des bananes qui sont laissées de l'autre côté. Et de nous entraider ici. Nous entraider comment? Nous avons organisé systématiquement des caisses qui, vous voyez un peu, un frère ou une soeur qui est dans un problème, situation quelconque, peut rapidement faire confiance
à sa famille. Le Nikoul, c'est aussi une famille, pour pouvoir l'assister et l'aider. Dans le passé déjà, je peux dire en 4 ans ou 4 ans d'existence, nous avons fait probablement une sortie près de 20 000 dollars, en grosso modo comme ça, en termes d'assistance et d'aide. Nous sommes un peu dans ce sens-là. Et nous allons en projet de continuer à améliorer. Donc nous travaillons de ferme pied avec toutes les parties prenantes. C'est un très grand projet. Présentement, nous avons des forums où il y a plus de 60 membres déjà. Et près de, nous espérons avoir pratiquement 40 membres inscrits d'ici là. Donc Nikoul, c'est ça. Yeah, oui, avant de vous laisser partir, vous avez parlé de l'aide du côté des bananes qui sont restées dans le pays. Et dans quel sens vous comptez les aider? Vous comptez faire des fundraising? Qu'est-ce que vous comptez faire pour ce... Le mécanisme de financement, c'est une autre chose. Et aider va dépendre. Nous nous sommes organisés en termes de responsabilité des projets. Vous savez, un peu, Nikoul aujourd'hui fonctionne comme un gouvernement avec ses ministres, avec des ministères, si vous voulez. Le gouvernement qui s'occupe probablement de projets ou des relations extérieures, le président sortant est pratiquement en charge de cette zone-là. Nous avons, je vous dis par exemple, nous avons des zones où il n'y a pratiquement pas d'eau. Un de nos projets s'inscrit là-dedans. Nous avons aussi des moyens, je ne vais pas vous donner un peu la stratégie d'approche parce qu'elle est un peu propre à nous tous, à nous seuls, parce que c'est un peu c'est un peu quelque chose de beaucoup plus personnel, quand je veux dire personnel, propre à l'association. Mais toutefois, nous allons nous articuler sur l'amélioration des conditions de vie. Par quels moyens? Nous avons des méthodes de financement internes à nous. Je vais vous dire par exemple, ce n'est pas quelque chose de caché. Chaque membre de Nikoul inscrit dépense environ 240 dollars annuellement pour aider le peuple, pour aider son frère à rester au pays. Donc imaginez 240 dollars chaque membre, ce n'est pas petit. Donc nous avons déjà ce genre de mécanisme, nous avons les moyens de pouvoir arriver à nos fins et nous allons davantage travailler. J'aurais préféré vous parler dans une autre émission, laquelle vous allez nous accorder en détail comment nous y parviendrons. Oui, oui, étant donné qu'aujourd'hui nous essayons de voir dans quelle mesure Nikoul, comment les bananes font déjà les fêtes de fin d'année ici. Est-ce que vous pouvez nous dire, je sais que vous n'êtes pas une femme, j'aurais voulu avoir une femme ici à côté de moi, mais est-ce que en tant que banane, vous pouvez déjà nous dire au courant de ces fêtes de fin d'année, quels sont les mêmes bananes qui sont préparées régulièrement? Oh, les bananes, ils ont une variété. Hein. Nous avons de l'igname jaune, nous avons de l'écoque que vous connaissez, nous avons du couscous de manioc, nous avons beaucoup de bon mets. Et on ne le connaît pas peut-être vraiment, mais l'écorce, c'est de chez nous. Du coquille de matobo. Le matobo est aussi beaucoup utilisé. Les soko, ce sont des mets beaucoup plus prisés dans nos régions. Oui, monsieur le président, nous souhaitons vraiment que vous nous parlez plus longuement de la communauté banane et nous aurons le plaisir et l'occasion de vous recevoir encore ici dans nos studios sur Afrique Today. Alors aujourd'hui, on parlait tout simplement de l'organisation donc des fêtes de fin d'année par la communauté banane, l'association donc Nikoul USA qui prend déjà beaucoup d'élan actuellement et grâce à tous ses membres qui fonctionnent aujourd'hui aux alentours du nouveau président. Alors nous allons encore prendre une petite pause. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre temps. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Donc, ne partez pas, donc, parce que tout à l'heure, nous allons prendre une petite pause. Lorsque nous allons revenir, nous allons recevoir ici l'un de vos membres encore. Ce sera le président fondateur, l'un des membres fondateurs et le trésorier de l'association. Il nous parlera du côté finance de cette association. Restez connectés et on revient tout à l'heure jusqu'après une pause publicitaire. À bientôt. Pray
Break Today, our objective is to help you access trending information that is fresh and relevant in the promotion of African culture and values, as well as information that enhances economic, political, and social welfare in the continent. We provide a platform to share news, ideas, and useful information from different perspectives that reflect our African traditions, such as music, art, and fashion, among others. With the dawn of the new year, Afrique Today is here to deliver this information and more for you, our valued audience and stakeholders. We have spared no resources in refining our platform to make it better and look forward to serving your needs and your being part of a rejuvenated Africa that has so much to offer the world. Thank you for stopping by and Happy New Year, everyone. Ici sur Afrique Today, donc c'est toujours Afrique Today et vous regardez cette édition spéciale de fin d'année où nous recevons ici l'association Nicool et beaucoup de personnes me posent souvent la question comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très très simple, vous pouvez nous regarder Afrique Today simultanément sur quatre plateformes en même temps. Nous passons sur Facebook, YouTube, Twitter et aussi vous pouvez nous regarder tout simplement en téléchargeant les applications d'Afrique Today. Alors nous revenons ici sur Afrique Today. J'ai ici le plaisir de recevoir un membre fondateur, celui qui a participé donc à la fondation de cette très grande association, Nicool USC. Il est ici actuellement avec moi. Salut. Bonsoir. Alors, présentez-vous à tous ceux qui nous regardent actuellement. Oh oui, moi c'est Casimir Banyeku. Je suis banin, comme vous le constatez de par mon patronyme. Et je suis très content de passer à Afrique Today, qui est une très belle chaîne, que je suis très souvent. Et je suis disposé à vous répondre par rapport à toutes les questions dont vous aviez sur la fondation de Nicool. Oui, ma question est de savoir, parce qu'aujourd'hui, nous essayons de comprendre comment les Banins fêtent les fins d'année aux États-Unis, mais déjà, je sais que vous faites partie des membres fondateurs de cette très grande organisation. Oui. Comment est venue l'idée de créer cette association? Eh bien, l'idée de créer Nicool nous vient du fait que nous avons constaté qu'on grandissait déjà en nombre. Quand je dis « on », je parle ici des Banins aux États-Unis, surtout dans notre région de DMV. Et il nous arrivait parfois, nous aussi, d'assister à des réunions d'autres frères camerounais, notamment ceux de l'Ouest. Et un soir, mon épouse m'a demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, nous aussi, avoir une réunion pour les Banins. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et j'ai contacté, tant pour moi, Cyril, le frère Cyril, et Charlie. Je les ai contactés et j'ai partagé l'idée qu'ils ont épousé. Et voilà comment est parti Nicool. Là, nous sommes, je crois, aux années 2013. Et tout de suite, j'ai fait appel à tous les frères que je connaissais, au frère aîné Didier, Ifop, qui était un peu réticent au début, mais dont j'ai réussi à convaincre, puisque je comptais sur son ancienneté dans ce pays. J'ai dit, il est bien placé pour nous diriger. Voilà comment est parti Nicool. Alors, je sais que vous êtes membre fondateur, mais vous n'êtes pas président. Alors, pourquoi est-ce que vous occupez actuellement un poste dans Nicool? Oui, je viens d'être élu comme trésorier. Oh là là, là où voilà. Ben félicitations, là où tout l'argent passe. Merci. Bon, ce n'est pas toujours par rapport à l'argent qu'on est content d'être trésorier. Moi, je crois que c'est parce que Nicool est en train de repartir sur une nouvelle dynamique
de rassembler au maximum tous les enfants du terroir banin, qu'ils soient de Yingi, de Ndikinimeki, de Nituku, tous ceux qui sont banin. Nous avons donc cette idée, cette détermination de rassembler tout le monde. Et pour faire, n'est-ce pas, de Nicole USA, l'un des grands poids de la diaspora banin, afin de pouvoir voir comment on peut nous aussi apporter de l'aide à nos frères restés au pays, à nos communautés, à nos localités et tout, à nos villages. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, en tant que membre fondateur, comment vous voyez l'avenir de Nico? Et je sais, on a un nouveau président et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le background là. Comment vous voyez l'avenir de Nico? Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire déjà que je suis très ravi de voir que, pour une fois, nous sommes tous unanime qu'on fasse quelque chose de bien. Donc l'avenir de Nicole, pour revenir à votre question, il est glorieux. Nicole est en train de se relever vraiment d'une manière décisive. Et je crois qu'avec ce que nous voyons, avec l'enthousiasme des uns et des autres que nous voyons, Nicole ira loin. Nous avons beaucoup de nouvelles idées, des idées innovatrices, comme l'ont dit mes prédécesseurs, mes frères aînés. Donc, je crois que Nicole fera beaucoup de bonnes choses, que je ne veux pas me mettre à détailler tout ici, mais l'avenir de Nicole est glorieux. Vous savez, on pose cette question à tous ceux qui passent sur Afrique Today. Ça, c'est ma dernière question. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à tous les membres? Et je voudrais que vous le faites en banen, si vous pouvez le faire là maintenant. Si vous n'avez rien que... Ok, Nicole, je ne peux nous rouler mon nom. Mais je n'ai pas de battre. Je ne sais pas. Pour ce qui est un peu de temps, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de Donc, il y a aussi à tout le monde ici en Amérique. C'est pour que tout le monde se prenne. Nous ne pas parler de Salim, mais de la guerre. Parce que tout le monde ici. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Tout le monde ne connaît pas aussi. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Merci pour nous, Nanyofen. Merci monsieur. Moi qui vous remercie. Merci vraiment pour cela, parce que vous savez, ça, c'est notre droit de promouvoir aussi la culture, la culture africaine. Et merci pour cela. Et j'espère que ceux qui nous regardent actuellement ont compris le message que vous avez transmis. Et merci à ceux qui se sont connectés durant cette émission très très spéciale donc d'Afrique Today. Merci. Où on parlait. Comment les bananes des États-Unis fêtent donc les fêtes de fin d'année? Restez connectés parce que tout à l'heure, nous allons vous montrer aussi les danses bananes. Juste après cette émission, les danses bananes, comment aujourd'hui les membres du NICO fêtent leur fête de fin d'année. Je vous rappelle donc que c'était cette édition très très spéciale. Je m'appelle Alain Pierre. Alors comment faire pour regarder Afrique Today? C'est très très simple. Vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes, sur Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africetoday.com. Téléchargez nos applications et vous allez regarder Afrique Today directement sur vos smartphones. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV, oui. Téléchargez nos applications Roku et les applications Fire Stick. Vous allez regarder toutes nos émissions directement sur votre téléviseur. Merci. J'espère que vous allez passer des très très bonnes fêtes de fin d'année. Alors restez connectés parce que je vous montre tout de suite les danses bananes sur Afrique Today. Merci, à bientôt. Merci monsieur. Merci. Yeah.
Oui, Kami. Si tu es là, messieurs, je vais parler en banane, s'il vous plaît. Je suis Pierre. Vraiment Pierre. Parce que nous sommes des riches. J'ai fait quelque chose. Même si je descends aussi aujourd'hui, dedans là, c'est les tranquilles. Ce jour, j'ai appelé Casimir. J'ai dit, mais comment on peut rester comme ça, sans famille? J'arrive. Fais-nous les convocations là. C'est comme ça qu'on a commencé. Et aujourd'hui, regarde comment nous sommes aujourd'hui. Même si je ne suis plus là aujourd'hui, je serai fier. Yes, président, à Kakanon Belé, à Nakanon Belé, à Nassigné, à Nassigné, à Nassigné, à Nassigné, à Nassigné, à Il est pas ma mère.